Qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas un hérétique, laissez-moi partir! T'as peur, mon minou? J'ai dit laissez-moi partir! Impossible! Parce que moi aussi j'ai été capturé et c'est ta faute! En fait... Elliot. Eh oui, c'était moi! Et la raison est toute simple! Ma nouvelle invention, le filtre d'amour! Oh non, l'amour! C'est dégueulasse! Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette télé? Une petite expérience qui va vous plaire! Salut les beaux gosses! Parlez-moi! Quoi? Je m'attendais pas à ça! Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est dégoûtant! L'amour n'est jamais dégueu! Un, deux! On s'arrête là, les enfants! Le seul endroit où vous allez ramper, ce sont les pieds de Crafticorn! J'avais jamais vu, c'était si belle, mignonne. Allez chercher votre hamster, les enfants. Le pouvoir de l'amour. Encore un peu de bleu et c'est trop beau. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça fait flipper. Qui est là? Salut, Crafty. Un arc-en-ciel. M'approche pas, espèce de taré, va-t'en. Crafty, je... Des fleurs, c'est gentil, mais non, merci. Je suis allergique, en fait. Mais moi, tu peux faire les roses, viens et embrasse-moi. Mais c'est une blague ou quoi? Je suis dans un cauchemar, sérieux. Oh, tes lèvres sont si douces, Crafty. Oh mon Dieu. Regarde ce que t'as fait. Mon amour. Oh non, pourquoi il m'a vu, lui? N'en fais pas, mon amour. Je suis un génie, mais c'est pas nouveau. Pourquoi? C'est étrange. Non, la boule de poil, t'as même pas le droit d'y regarder. Okay. Les nouvelles générations. Franchement, je préférais quand personne s'intéressait à moi. C'est l'enfer. Et ouvrez-moi la porte, vous en supplie. Il y a des tarés qui me suivent. On te fait pas mal. On veut juste t'aimer. Je t'aime, Kraft. Oh, par Armstrong, c'est pas passé loin. Laisse-moi te câliner, mon amour. Allez, ouvre, je veux juste t'embrasser. C'est une super idée. Est-ce que je peux t'emprunter ta grosse tête, Kalina? Bien sûr, mon pote. Je savais bien que ta tête serait utile un jour. Ça fait même pas mal. Oh, Crafticorn. Crafty, où es-tu? Viens avec nous. Elle est là. C'est parfait, mon amour. Et laisse-la tranquille, toi. Quoi? Espèce de gâteau. Ne vous pas, les gars, je vais bien, je suis là pour vous donner une bonne leçon, bande de tarés. Crafticorn, tu vas me le payer. Pourquoi elle a fait ça? J'espère que ça va être suffisant. C'est quoi ce bruit? Rêve de méchant? Testons mes pouvoirs à un autre niveau. J'avais pas l'intention de le faire. On va voir ça. Est-ce que ça va? Oh mon amour, mais qu'est-ce qui te prend? Oh mon Dieu, ça ressemble à une potion d'amour. C'est peut-être pour ça que les deux taris me suivent. M'approche pas, elle me regarde pas. Tu es super, viens là. Et toi, arrête tout de suite tes expériences, parce que j'en peux plus, je te jure. Tu m'as coltiné des malades. Qui va me le payer? Ah, Crafticorn, qu'est-ce que tu fais là? De quelle potion tu parles? Enfin, voyons, tu je n'ai rien très de bien ça. De quoi je parle? Un filtre donne d'amour, tout je suis la potion d'amour que t'es en train de cacher derrière toi. Et oui, je suis un génie. Et ça, c'est mon chef-d'œuvre. Mais comment t'oses, espèce de taré? J'ai quelque chose pour toi aussi, Crafticorn. Prête, action. Ça veut dire quoi, ça? Non, au secours. C'était quoi ce bruit, Crafticorn? J'arrive, ma chérie. Mon amour. Oh, j'y crois pas, mais t'es grave un profiteur, en fait. Tu vas me le payer ici et maintenant. Prends ça. Mon amour, viens avec moi. Je vais te rendre heureuse, tu vas voir. Tout va bien. Oh, et les deux boulets qui reviennent, les gars. Attendez. Toi, je ne peux pas dormir. Oh, Crafty. Non, les gars, attendez, c'est pas ce que vous croyez, c'est en fait une potion qui... Le cauchemar, ça suffit. Écoutez, si vous m'aimez tellement, eh ben détruisez ce mec qui est là, ok? Et prenez-moi cette potion. Hein? Pas ma potion, non! Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Vous avez pas intérêt. J'ai dit attaquer. Ne prenez pas attention, je suis la maîtresse ici, alors écoutez-moi. Quoi? Les garçons, ce que je veux, c'est cette potion, d'accord? Oui, Crafticorn, bien sûr. Non, pitié! Lâchez-moi! Non, pas par là! C'est pas ici! Arrêtez! Oui, on tient! Crafticorn, ce que tu voulais! Beau travail, les garçons! C'est pile poil ce que je voulais! Qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Mais pour commencer, détruisez-le! Oh non!
pitié, je vous en supplie. Pas de pitié pour toi aujourd'hui. Les gars, s'il vous plaît, on peut discuter. Pas de blabla. Je vais te tuer de mes propres mains. Non. Catnap, réfléchis-y une seconde. Utilise ton cœur. Les garçons, faites laisser-le en vie. Utilisez-en, je suis content que t'aies réfléchi, hein. Allez, attaquez-la. Bien essayé. Attaquez les garçons. Non, arrêtez. On va te dévorer vivant. Sois maudit. Je veux pas mourir. Les garçons, ça suffit. Franchement, j'adore ton invention, merci. Mais excuse-moi. Non, je le jure, je suis désolée. Alors t'as plus besoin de ça, c'est ça? Oh, ya. Oh, j'adore le rose. Hein? Oh, ma tête. Oh, mes fesses. Quoi? Tu devrais faire attention à toi maintenant. Allez, les garçons, on s'en va. Il s'en est fallu peu. Oh non, recule, l'araignée. T'approche pas. Oh, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Venez, les filles. Oh, ouais. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai créé? J'adore l'amour. Oh, ce regard. Elle doit être en train de corriger ma copie. Oh là là, j'ai peur. Miss Peggy, 5. Allez. Oh non, même pas 6. J'ai quoi. Oh, c'est pas cool. C'est pas mieux. Quoi? C'est une catastrophe. Pareil pour toi. Mais j'ai étudié. Vous êtes nuls. Oh. Quoi? De toute façon, je déteste ce sujet, c'est nul. Même Baba n'a pas réussi. Et toi, Catnap? Miss Delight, je ferai beaucoup plus attention à la prochaine fois. Je vous jure que... Félicitations. Papa, tu es là. Il va tellement être content de la note que j'ai rapportée. Regarde la note que j'ai eue à l'examen que tout le monde a raté. T'es prêt? Regarde. Quoi? 9. 4, pas 10. Tu me déçois. 9, c'est pour les perdants. Je suis désolé, papa. C'est pas suffisant, papa. Va réviser, j'en ai marre de réviser. Je pensais que tu serais heureux. C'est pas juste. Bienvenue, prêt, mon amour. Ah! Enfin! Je vais faire un repas délicieux pour mieux étudier des légumes! De la bouffe! Hein? Maman, je vais pas manger ça! Comment ça? Ça a un goût de merde! À vrai dire, t'as pas le choix, tu les manges! C'est pour le bien de mon cerveau! Non, je peux pas! Catnap! Maman, je suis en train de manger! C'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé, d'ailleurs! Ouf, fini! Super, mon garçon! Je crois que je vais y arriver! Et tu crois que j'ai cuisine pour le vomir? Va dans ta chambre. Désolée, maman. Et étudie. Je voulais pas. Chiant. Je retourne réviser, papa. Catnap. Fiston, nettoie un ce bazar. Oh, papa. Ne discute pas, je veux que ça brille. Tout seul. Pitié. Ça doit être immaculé. Pourquoi y a-t-il plein de gras? C'est quand la dernière fois que cette cuisine a été lavée? Ça a pris des plombes, mais c'est parfait. On est sûr? Y a de la poussière ici. Oh non! Désolé, papa. Pourquoi j'en fais jamais assez pour eux? Quoi? Tu viens jouer? Viens jouer avec nous. Jouons, jouons. Je suis le meilleur joueur au monde. Papa et maman sont tellement sérieux. Ils vont être fiers. Dorothée, attention à tes fesses. Je l'ai. Super kick. C'est possible ça? T'es un aigle. Comment il fait? But. Maman, papa, vous avez vu? J'ai marqué 3 buts. T'es satisfait par 3? Quoi? Moi j'en voulais 10. Allez, c'est fini pour moi. Tu retournes dans ta chambre. Pourquoi il est si méchant? Quoi? Catnap, tu veux jouer à la console? Attendez. Ouais, vas-y, entre. Je vais gagner. Pas cette fois. Le chien. Il va partir avec la police et sa carbus. T'es un sale morveux. Sortez d'ici. Dog Day. Et toi? Tu es puni. Qu'est-ce que... Tu es très vite. Quoi? Tu penses comme moi? Non, prenez le chien! Catnap! Toi aussi! Catnap! C'est le Tiarmama! Dégage de là! On en a marre de ton manque de propreté, du fait que tu ne fasses rien dans cette maison, tu es banni!
Je te jure, je recommencerai pas, s'il te plaît, me fais pas ça. Oh, mais enfin, sois pas aussi dramatique, c'est juste de la peinture. Ah. Hé, t'as oublié quel désastre tu es? Tu te souviens quand je voulais du thon et bam, j'ai glissé comme un abruti? Hein? Pourquoi le sol mouillé? Oh, attention, attention, je dois tomber sur mes pattes. Oh. C'est quoi cette odeur? Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Crafty! Tu m'as laissé sans déjeuner. Miam miam, il est enfin temps de manger le sandwich au bacon que j'ai préparé. Oh, où est-il? Où est mon sandwich? Oh, ce sandwich a l'air merveilleux. Oh, oh, trop bon. Mon sandwich au secret. Non. Hé, hey, salut Piggy. Ça va? Attends, je finis mon sandwich. Oh. Oh non, mon cousin Henri. Crafty, tu vas payer. Un mouton, deux moutons. Oh. Trois, un mouton. Oh non. Oh, 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 je dois me lever tôt. Oui. Pas belle ronfle. Oh, j'en ai assez. Maintenant, va-t'en. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'autre endroit où aller, moi. Allez, s'il vous plaît, me laissez pas. Oh non, il manquait plus que ça. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hé hé, salut, je suis Crafty Boy. Oh mon dieu, bonjour, ah, t'es trop beau. J'utilise un shampoing spécial pour ma chevelure de licorne mâle. Prends-moi la main, mon amour, et dis adieu à la misère. Oh mon dieu, oui, 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 encore oui. En plus, avec toi, j'ai toujours rêvé de ça, à vrai dire. Oh, c'est les clés d'une maison, c'est pas vrai? Je suis si heureuse. C'était facile. Et voilà, maintenant elle m'appartient, avec mon chéri. Oh, au fait, j'ai oublié de te présenter fils. Quoi? Crafty. J'ignore. C'est pas ma maman, toi, je t'aime pas. Oh, bonjour, tu veux qu'on soit amis? Tu veux jouer avec moi? Quel blagueur! Oh, je vais impressionner tout le monde avec cette peinture, c'est sûr. Oh mon dieu, c'est quoi ce bruit? Hein? J'ai faim, tu peux me faire à bouffer? Mais regarde, j'ai fait ça, enfin! T'as pas entendu, j'ai faim! Pardon, je voulais pas t'ennuyer avec ça. Ok, je vais mettre un petit peu de musique. Wow. Oh mon dieu, la soupe! Le bébé! Oh, ma tête! Qu'est-ce que... Oh non, non! C'est pas vrai! Qu'est-ce que je suis censée faire? Va-t'en d'ici, vite! Oh, c'est bon, ça s'est calmé. Faut qu'on a eu chaud. Oh non, bébé Crafty! Au secours! Fais attention! Oh non, il faut pas que ça lui tombe dessus, sinon c'est la fin pour moi! Bébé! Ah, mon avion! Eh ben, c'est pas passé loin. Je me suis un peu brûlée, c'est chaud. Et t'as endommagé mon avion. Oh, je suis vraiment désolée, je vais te racheter un avion, promis. Mon papa a raison, t'es inutile. Oh non, aïe, 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 mes petits monstres. Mais ok, il faut que je me calme. Mon amour, je t'ai fait ton repas préféré. Oh, ça a l'air délicieux. Et ça sent bon. Ah, je vais le manger. Ah, oh, mais tu manges comme un porc. Non, comme une licorne. Ok, moi, ma récompense, elle est où? Ah, laisse-moi réfléchir. Je veux un bisou. Hein? Non, une nouvelle serpillère, c'est tellement mieux pour toi. Hein, comme ça, t'iras plus vite. Écoute, je suis pas une femme de ménage, tu roules mais seule. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Non, mais je rêve, c'est pas possible. Mais enfin, ne pars pas. Oublie-moi. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourtant, j'ai tout fait pour qu'elle soit heureuse. Ce débile, hein? Ta place est à un seul endroit, dans ma cuisine. Alors dépêche-toi d'y retourner. Quoi? Non, mais tu oses me cracher dessus? Ah. Tu ne sais pas qui tu as affaire, mais c'est trop tard. Attends. Tu vas voir ce que tu vas voir. Catnap. J'aurais jamais dû quitter. Je suis désolée. Hein? Non. Ce
seul un gros lâche d'après une femme. Catnap, c'est vraiment toi, t'es venu me secourir, je suis désolée. Bon bah là... Nous a manqué, Crafty. C'est vrai, je pensais que ma vie sans toi serait magnifique, mais... Les dessins de Crafty, son art me manque. Ta façon unique de montrer le meilleur. Et voilà, c'est fait, mon ami. Regarde comme t'es beau. C'est moi, ça? Waouh, j'ai vraiment l'air magnifique. Voir des os brisés. Ah, ça me rappelle tellement. Attends, je vais t'aider. Regarde. Et voilà une œuvre d'art avec des os. Oh, mais c'est magnifique. Oh. La raison. Tu m'as toujours aidé à avoir mes bons côtés. Mais non, dis pas ça, regarde, je vais t'arranger. Ah, t'es trop mignonne, alors t'en penses quoi? Oh, je suis si jolie, je m'aime, merci. Ce qu'on veut te dire, c'est... S'il te plaît, reviens. Les amis, je dois vous dire que je veux revenir. Merci, on t'aime, Crafty. Vous m'avez tellement manqué. Quoi? Quoi? Vous feriez mieux de partir de ma propriété. Vous êtes tellement... N'hésitez pas. Alors je vais devoir t'apprendre. Oh, soyons raisonnables. On est entre gentlemen, non? Ok, mon bébé. Maintenant, c'est l'heure de la piñata. Ouais. Amuse-toi. C'est parti. Alors, c'est l'heure de la vengeance. C'est la meilleure blague du monde. Tape là. Pourquoi personne ne m'aime? Une vie sans éclat est si difficile. Oh, il manquait plus que ça. J'ai jamais eu de chance. Oh, oh. Ouh, non, tu vas, papa, tu voles. J'aurais tellement souhaité être comme elle. J'aime ma famille. Je suis tellement chanceux. C'est ce que je veux, une famille. Un endroit à appeler maison. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Oh, un palace. Donc Dé a une famille. Waouh. Elle est creuse. Ouais, bravo. T'as trouvé l'os. Regarde-moi ça, il vit ma vie de rêve. Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi personne n'est là? Salut ma belle, j'ai pas pu m'empêcher de t'entendre. Et je pense que je suis celui qu'il te faut. Oh ouais, je suis prêt à construire une maison. Oh, oh, on a aussi besoin d'un bébé. Je savais que tu dirais ça, je l'ai reçu aujourd'hui. Mon fils. J'ai demandé qu'il soit de ta couleur, mais c'est pas la meilleure partie. J'ai trop hâte. Alors devant toi se trouvent tes plus grands rêves. T'es prêt? Oui. Faites que ce soit un palace, je veux Tada, un palace. Surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben c'est notre maison. Deux étages, un garage pour deux voitures, un magnifique toit, une maison classique. Mais c'est pas une maison, c'est une chaumière. Et pleure pas, regarde, avec tout notre amour. Non, je la déteste, Garfilou. Attends, t'en vas pas. Un marteau, du bois, je sais quoi faire. Qu'est-ce que tu veux? Je vais redesigner notre maison. J'ai volé les plans à Doc Day et je peux faire absolument tout ce qu'il a. Même une piste d'atterrissage. Ça t'intéresse? Vraiment? La maison de mes rêves? Il y a une piscine en plus. Oh, je t'aime, je t'aime. N'en dis pas plus. C'est parti. Qui a dit que c'est difficile de construire une maison? C'est trop facile. Ouf, au moins ça vaut le coup. Tada! Waouh! C'est le palace rêvé de Bobby le clown. Le truc, c'est que j'avais pas assez d'argent. Je peux pas croire, c'est horrible. Quoi? J'ai pas mis le désastre. Moi aussi. Attends, pleure pas. Ne dis rien, t'es qu'un menteur. J'aurai jamais la maison de mes rêves. Ma vie est nulle. Chérie, t'as peut-être raison. Je suis un désastre, ton fils aussi. Mais le plus important, c'est l'amour. Une maison n'est rien sans une famille pour l'habiter. C'est la vérité. Oh, ils sont mignons, la famille désastre. Attrape-moi si tu peux. L'avion, l'avion. Nom d'un chat, la pluie avait peur. Et je déteste l'orage. Et maintenant, j'ai faim. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai peur. Oh, jamais rien d'intéressant à cette fichue télé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim. Eh ben, va préparer à manger. Mais je cuisine toujours. Oh mon Dieu, c'est quoi ce bazar? Oh non, ça va être encore à moi de tout m'en occuper. Si seulement j'avais de meilleurs parents, j'en serais pas à faire ça actuellement. Bon sang, pourquoi c'est à moi de tout faire? Ouf, c'est fini. C'est enfin l'heure de la bouffe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, c'est incroyable.
T'as trop bien cuisiné. Papa, non, je commence vraiment à avoir faim, ça fait mal. Mais regarde ce que t'as fait, t'as complètement salopé toute la cuisine. Non, t'as à nettoyer ça de suite. Meurs jamais, baston. Ah, c'est trop drôle. Oh non. Oh, si j'entends encore ces pleurs une seule fois de plus, je jure que je vais les tromper. Achète-moi un autre jouet, je t'en supplie. Non, j'ai pas envie. Bateau de la blouse et on jouera après, d'accord? Ouais, je sais ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça plus vite? Turbo, hein? Voyons voir ce que ça donne. Attention! Arrête-toi! Arrête-toi! J'ai la tête qui tourne. Oh non, d'un chat! Pitié, arrête-toi! Ça peut pas s'arrêter comme ça, je suis trop jeune pour... mourir? Ouf, tout va bien. Oh, regarde, la pelouse est faite! T'as vu, maman? Oh, waouh! Bon travail. Achète-moi un nouveau jouet, quoi, je l'ai mérité. T'as vraiment cru que j'allais jouer avec toi? Mais s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît. Pourquoi tout le monde me déteste? C'est quoi ça? Oh, regarde ce qu'on a là. Bonjour, tu vas bien? Un petit garçon adorable. Oui. On n'arrive pas à avoir d'enfant. Est-ce que tu veux être notre enfant? Désolée, je sais pas quoi dire. Ça, c'est pour avoir mal cuisiné hier. T'en veux une maman, autre, pitié. Achou, je suis en train de tomber malade. Ils sont méchants avec moi, donc je vais venir avec vous. Ouais. Oh, oh, c'est le plus beau genre de la vie. Bah, il est où le gosse enfin? Oh mon dieu, il a vraiment disparu. J'arrive pas à le croire. C'est là que vous habitez? Super. C'est exactement la maison que je voulais. Elle est magnifique. Merci, Catman. Mais attends de voir ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a, mon chou? Tu as faim? Je peux pas. Tout est à volonté. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un rêve. La dernière fois que j'ai pu manger autant, c'est quand j'ai perdu ma première vie. Et le mieux dans tout ça, c'est que je suis à un moment où personne n'est là pour me juger, ou me punir, ou me faire du mal si jamais je fais une bêtise. Tiens, c'est la meilleure voilà. vie. Régale-toi. Et la meilleure des choses, c'est que je n'ai même pas à faire la cuisine. La vie est belle. Oh, c'est dégoûtant. Comment je suis censée manger ça? Il est où, l'enfant? Écoute, tu sais où est notre fils? J'en sais rien, je m'en fous. Oh mon dieu, c'est la meilleure chambre que j'ai jamais vue de toute ma vie. Il est temps de faire une sieste pour jouer toute la nuit. Dors bien, mon amour. Je t'aime fort, merci d'être là. Catman. Attends, c'était quoi ça? Maman? Non, c'est juste le tonnerre. Ah, est-ce que c'était elle? Je deviens fou ou quoi? Enfant, ouvre-moi. C'est moi ta maman, pourquoi tu m'as pas revue? Je sens que je vais le regretter. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Elle est folle. Catman. Pourquoi tu veux pas que je sois heureux? Laisse-moi tranquille. Va nettoyer et faire à manger. Jamais. C'est pas les choses que je devrais faire. Ne pointe pas ton doigt sur moi, espèce d'insolent. Prends ça. Je veux pas voir ça. Ça suffit. Quoi? Qui êtes-vous? Rentrez chez moi tranquille, enfin. T'es qui toi-même? Qu'est-ce que... Catman, j'ai peur. Oh my God. Des prières, espèce de... Tu sais quoi, j'ai plus la force. Oh. Écoutez, c'est un bon garçon. Je vous le confie. Je suppose que je suis une mauvaise mère. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, la famille. Non, je vais non, vous protéger. Attendez, c'est parce que... Maman. Non. Ne fais pas ça. Tu peux pas mourir comme ça. Ne fais pas ça. Pitié. On est avec toi, mon ange. On t'aime. On est là. On est là. Je vous aime aussi. J'ai attendu toute la journée pour ça. C'est délicieux, ma chérie. Je t'aime ça. Ils sont en train de pique-niquer. Je peux venir? Est-ce qu'il faut manger avec vous? Dégage tes mains de là. C'est notre pauvre. Va te chercher la tienne. Regardons les étoiles là. Regarde mon Terry. Salut la famille. Je veux aussi regarder. Quoi? Je veux juste regarder les étoiles. Super beau travail, mon chéri. Bravo. On est tous des artistes. Et moi, mon dessin, il est comment? Salut la famille. Et voilà. Oh, c'est horrible. Regarde pas ce dessin. Mais moi aussi, je veux dessiner. D'ici. Regardez. Oh, aïe, aïe. Tu n'es pas digne de mais la famille. C'est tout. Regarde ce que mais tu as fait. Pourquoi attends. Tu allez, mais discute mais... pas. Pourquoi personne ne m'aime? C'est parce que je suis trop petite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dis donc, j'ai grandi, je suis magnifique. Oh, mon âme sœur. C'est super. Je t'ai enfin trouvé. Eh oui, c'est notre enfant. C'est génial. C'est une famille, la famille que je voulais. Oui. Pas plus qu'une maison. Mais, pas de soucis.
Regarde. Merci, mon chéri, tu es formidable. Oh. Allez, allons-y. Quoi? Est-ce que t'as de l'argent? Il vous en coûtera 1 million. Oh là là. Ah oui, dis donc. Alors, on a combien? Pas grand-chose, je crois. Monnaie, sinon pas de maison. Oh, notre rêve est brisé. Attends, chérie. Oui. Oh, non, t'inquiète pas. Pas de maison. J'ai une idée. Oh? Oui, t'inquiète pas. Regarde-le. Oh? Super. Tu crois intérieur? Oh, chérie. Oh, et voilà. De eh oui, nous sommes riches. Je vous ai déjà dit qu'il fallait payer. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh, de la et monnaie. Voilà, oh, on veut les clés. Ah, mais oui, pas de souci. je oui. suis riche, moi aussi. C'est parti. Allez, envoyez où? C'est lourd. Dans notre maison. Et voilà, c'est. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh non, il y a des trous partout. Notre nid d'amour. Oh non. Oh mon pauvre petit. Oh. Mais je vais m'y mettre, regarde. Super lapin est là. Oh. Ah bon, mon chéri? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oh. Oh, c'est incroyable. T'as fait un excellent travail. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. Et en plus, t'as la cuisine merveilleuse. Et voilà une petite touche de sel. Et voilà, c'est pour toi, mon amour. Oh, quoi? Par là. La 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 la. Oh, j'aimerais que mon fils aille à l'école. Oui, à l'école, mais il faut payer. Oh, et non. On va pas y arriver. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais il est où? Où est notre petit? Qu'est-ce que c'est? Mais je ne trouve pas. Où est notre fils? Où il est? Mais je ne sais pas. Oh, non, on a peur de notre On dirait fils. Que où non, il est dans le mur. Dans le mur, peut-être. Allez. Attends, bouge pas. Ça fait mal. Mon bébé, je vais te sauver. Oh, tu fais peur. Allez, je vais te trouver. Mon bébé. Oh, il est là. Oh, on te croyait mort. Enfin, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que c'est? Mais où as-tu trouvé ça? On est riche. On est riche. On est riche. En utilisant les sales machines de cette satanée compagnie, je vais enfin pouvoir mener mon plan à son terme. Et quand j'aurai une poupée vaudou de chacun d'entre eux, ce sera vraiment la fin. Dis donc, Katnab, tout va bien? Ah, quoi? Non, t'inquiète, tout va bien, y a aucun problème. Mais qu'est-ce que t'as dans ta main? Montre-moi, s'il te plaît. Allez, montre-moi. Non, mauvais chien, ça ne te regarde pas. Allez, éloigne-toi de moi. Donne-le. Non. Ça fait une poupée de moi. C'est pas ce que tu crois. Rends-la à moi. Cette poupée est à moi. Quoi? Allez, s'il te plaît. Cette poupée signifie ma fin. Quoi? Ma fin? Mais qu'est-ce que tu dis? T'as perdu la tête. Ah ouais? Laisse-moi te montrer. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oups, je t'avais prévenu. Mais c'est pas possible. Continue comme ça, cabot. Tu peux même pas me toucher. Comment oses-tu me faire du... Je t'avais prévenu. Impossible. Arrête. Mais pourquoi? Enfin fini avec le chien. Fais de beaux rêves. Mais qu'est-ce que tu fais, Katnab? Tu es un traître. Je vais le dire aux autres. Ah ouais? J'en suis pas si sûr. Ferme donc ta bouche, Bobby. Aucun d'entre vous ne pourra échapper à la destinée qui se trouve sous mes griffes. C'est le moment de comprendre. Je vais pouvoir mettre fin à leur petit sourire. Ah, j'adore. Oh, c'est génial. Vers l'infini, voyons si je peux ajouter un peu d'excitation à ces sauts. Profites-en. Je pourrais faire ça toute la journée. Oh. Ah bah, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, mais fais attention. Oh, mon genou est cassé. Bah oui, mais t'as sauté à côté. Tu disais que c'était ton tour, pas vrai? Oh, j'y vais plus. Oh là. Oh,
qu'est-ce qui m'arrive? Il est temps d'en finir avec ça. Alors ça va les gars, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mes amis, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, tu es si intelligent. Je veux pas être Dumbo. Et j'en ai pas encore fini avec toi. C'est presque terminé. Oh, j'adore cette musique. Elle est distraite, elle va m'entendre, c'est parfait. Ça rend la chose encore plus facile pour moi. Personne ne peut échapper à la malédiction vaudou. Personne. Oh, je suis ennuyée. Oh, allez, c'est parti. Ça, c'est marrant. Attends, est-ce que c'est ce que je crois? Ma poitrine! Arrête, crasse de corne! Tu vas me faire mon existence, arrête ça! Tu es en train de me tuer! Arrête ça tout de suite! Je veux pas finir comme les autres! C'est ça que j'adore avec les poupées, tu peux les détruire, ça fera jamais rien! Crasse de corne, il faut que tu l'écoutes! Ah, ma queue! Regarde ce que tu m'as fait! Tu vas voir avec ton nez, catnap! Comment je vais faire pour recoudre ma queue maintenant? Oh, nom d'un chat! Est-ce que c'est ça qu'on appelle le karma? Tous mes amis, tu vas voir la vengeance. Je crois que j'en ai assez, je suis fatigué. Je vais vaincre le feu par le feu. Attends une minute, pas littéralement. Comment c'est possible? C'est la fin, au revoir le méchant. Arrête ça tout de suite, je suis fichu. C'est impossible de tuer le Nourasta. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça doit être le vent. Oh mon dieu, c'est trop chaud, embêtez-moi. Aujourd'hui, j'accueille mon nouveau frère. Je suis si excité. Salut, frangin. Tu devrais dépêcher, mes affaires ont pas se nettoyer toutes seules. Oh, mon chéri, bah non, tu es arrivé. Je vous aime. Vous auriez dû adopter un lapin. Je le déteste déjà. Ouais, ma chambre, au chenil, dormait sur le sol. Oh, un lit, je vais pouvoir le remplir de puces. Oh, mais ça pèse une... Eh oh, c'est mon lit. Va-t'en de là, maman veut pas qu'on saute sur les lits. Waouh, t'es pas très amusant, toi, c'est bien plus drôle qu'ici. Mais non, pas du tout, ça suffit. Tu vois que t'es pas si bête, et oui, je veux me battre, je vais te mettre KO. Mais non, mais enfin, c'est juste une blague, t'es je vais pas me battre avec toi. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas tapé! Je t'accuse! Maman! Papa! Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, t'as frappé ton frère? Mais non! C'est lui, il s'est frappé tout seul! T'as mon fils, un menteur! Il m'a tapé, maman, et ça fait très très mal! Ça va aller! Arrête de mentir, toi! Mauvais chien, mais moi je suis trop bien! Puisque c'est ça, tu dormiras sur le canapé, mauvais chien! Voilà, il a été puni! Dis au revoir à ta peine, mon chéri! Papa et maman ne me croient même plus! Ce canapé est trop grand pour toi! On va voir ce que tu peux faire quand t'entends rien! Bonjour les idiots, vous allez voir maintenant ce que je peux faire pour être le seul bébé. Maman, maman, il a détruit notre maison. Je rêve d'un... Oh mon dieu, notre salon. Mais qu'est-ce que mais... tu as c'est fait? C'est pas vrai. Non, j'ai rien fait. Je sais qui est le coupable, voilà un cadeau abruti. Mais non. Regardez, c'est Doc Day qui a tout qu'est-ce fait. Qu'est-ce que t'as dit mon fils? Doc Day, c'est toi qui as fait ça? Non, maman, je te jure, j'ai pas fait ça, c'est pas à moi ce crayon. Tu penses peut-être que t'es un artiste, mais ça va pas la tête. Désolé, mon fils, mais c'est pour ton bien qu'on fait ça. Désormais, je suis seul. Enfin, ce palace est à moi. J'arrive pas à croire à quel point c'était facile. Ses parents et ce chien sont tellement idiots. La victoire a si bon goût, hein? Et dis donc... Le vieux? Mais oh, tu vas dégager tout ça. Et nettoyer. Nettoyer, c'est dégueulasse, je ne pas ça. Ne contredis pas ton père, fais ce qu'il te dit. S'il te dit de sortir la poubelle, tu sors la poubelle. Oh, bien sûr, je le ferai demain. Mon programme vient de commencer, hein? Oh, quoi maintenant? Nettoyer la poubelle. Respecte les règles de la maison. Enfin, on t'a déjà dit. Fais ce qu'on te dit. Mais, je vais dans ma chambre. Ah, bien joué, chérie. Ils se prennent pour qui, ces idiots, à me dire quoi faire? Eh bien, je pense qu'un peu de chaleur réglera les choses. Ils ne sauront même pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai oublié de... Mais il va où ce bus en fait? Qu'est-ce que... Qui c'est? Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait à notre maison? Je dois intervenir, vite! Eh oh, arrêtez-vous, je dois descendre! Mais laissez-moi sortir! Pas de soucis, on va passer par la fenêtre. Oh ma tête! Nom d'un chien! Allez,
Oh, j'adore ce type de spectacle. Il suffit d'un petit instant pour que tout commence. Allez, c'est parti. Oh, mais où sont les parents? Qu'est-ce que t'en as fait? Ça va pas bien dans ta tête. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Pour moi, t'es juste une chaleuse. Oh, mon Dieu! Papa, maman! Oh, attendez! Oh, c'est trop chaud! Papa, maman! Oh, j'espère qu'ils ne sont pas morts! Non! Papa, maman! Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est trop lourd! Vous êtes trop lourd! Allez! Dottie, tu peux le faire! Ah, ça sent la saucisse! Voilà ce qui se passe quand on cherche! Hein? Qui a appelé ces clowns? La police? Qu'est-ce qu'ils font là? Oh non, je dois me dépêcher de trouver un alibi ou un costume, ils doivent pas savoir que je suis là! Monsieur le policier, au secours, mes parents sont coincés dans un feu qui a été lancé par un fou! Oh, le feu, mon Dieu, mais il faut intervenir! Allez. Oh, encore un petit effort! J'ai sauvé mes parents! C'est lui le coupable! C'est lui qui a fait ça? Eh, oh, comment pouvez-vous croire qu'un bébé comme moi aurait pu faire ça? Maman! Ah, oui, papa, dites-leur la vérité! Oh, oui. C'était lui! Oh, regardez, ils sont vivants, c'est le moment de filer. Ne t'échappe pas, viens ici, en prison. C'est toi qui as fait ça. Ah, écoutez, c'est illégal, je suis un grand toutou. Merci, monsieur, tu nous as sauvés. Oh, c'est pas vrai, comment t'as pu arriver? Tu tiennes le coup. Quoi? Doc D, t'es mon amour de toujours. Comment je vais faire sans lui? Je ne t'oublierai jamais, mon amour. Mon cœur restera à toi pour toujours. Oh, tant Doc D, puisses-tu rester en paix? Octet. On y est, les gars. C'est pas génial. Il a toujours aimé la terre et les eaux. Et voilà qu'il est enterré. J'espère qu'il sera heureux dans l'au-delà. T'étais un super ami. Comment tout ça est arrivé? Je comprends pas. Oui. On est là pour toi. On ne t'oubliera jamais, mon ami. On t'aime. Je pensais qu'il partirait jamais. Désolé d'être en retard, mon ami. Mais je ne supporte pas que les gens me voient pleurer. J'aurais dû être un meilleur ami. J'ai pas été là quand t'avais besoin de moi. Je me le pardonnerai jamais. C'est quoi ce bruit? Oh non, pas toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tout ça, c'est ta faute. Lui. Comment tout ce point t'es ici? C'est pas ce que tu crois. J'étais son ami. Dis-moi comment tu l'as tué. Je sais que t'es coupable. Arrête de me mentir. Dis-moi la vérité. Je sais pas du tout de quoi tu parles. Je t'en supplie. Me fais pas de mal. À d'autres espèces de menteurs. Parle, espèce de lâche. À vous, le catnap, tu l'as tué. Je veux dire que je me vendrai. Les gars, je suis votre ami! Si tu avais été là, Doc D serait encore en vie! C'est parce que vous croyez, je jure! T'es qu'un meurtrier! T'es un meurtrier! T'as tué Doc D! Dites pas ça, je l'aimais aussi! Laissez-moi tranquille! Ah! Ok, je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Oh, maître, dites-moi ce qu'il vous faut et vous l'aurez. Tu me ramènes, Doc D? Doc D? Mais il est sympa et... Oui, monsieur, oui, monsieur. C'est toi qui meurs. Je ne pouvais que lui obéir, malheureusement. Personne ne l'a vu, ça c'est du bon boulot. Ah, tu sais que t'es incroyable, tout le monde veut partir ensemble, non? Bien sûr. Il y a plein d'autres Doc D, sinon. Et quand je l'ai vu, je savais que je le regretterais, que je n'aurais pas de pardon, mais j'avais une mission à accomplir. Hé, mon pote! Salut, Catnap, ça va? Écoute, je veux pas te déranger, mais faut vraiment que je te parle. Oh, bah bien sûr, je suis à toi, j'arrive. Reste là, j'aime pas ça. Quoi? Mais baby, tout va bien se passer, laisse-moi faire. Ok, Catnap. J'avais du mal à respirer, j'allais partir, mais... Hé, hey, mon pote, pars pas sans moi! Ouais, t'as raison. Bon alors? Je pensais pas que ce rire serait le dernier. Bon alors, où on va comme ça? Dis-moi en plus. Je suis désolé, mon ami, ce n'est pas personnel. Je ne fais qu'obéir aux ordres de mon maître, je n'ai pas le choix. Même si ça me coûte mon âme, s'il te plaît, pardonne-moi. La lumière... Oh, mais je suis bloqué. Prototype, j'aurais dû m'en douter. Catnap va me sauver, de toute façon. Catnap, mais c'est lui qui t'a amené ici. Je suis désolé, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Quoi? Catnap! Tu m'as trahi, Catnap! Ces mots se sont gravés dans mon âme et j'ai voulu le sauver de mon maître, mais c'était inutile. Avance, l'esclave, je vais le finir moi-même. Non, s'il vous plaît! Non! Écoutez-moi! Non! Oh non! Et je me suis souvenu qu'il ne m'a jamais abandonné, même après mes échecs. J'adore faire des potions quand l'une est réussie, les autres aussi. Et maintenant arrive le meilleur moment.
Avec ça, rien ne pourra m'arrêter. Maintenant, la touche finale. Potion 435, où es-tu? Ah, te voilà. La touche finale pour ma potion parfaite. Je devrais la breveter parce que quoi? Pourquoi est-ce qu'elle est verte? Oh non, j'ai pas utilisé la bonne. Il faut fuir, vite! Ah, quel beau jour pour aller au silo. Chut, mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qui se passe? Catnap, tu es là? Catnap, oh, je vais te sauver! Il est arrivé, il a voulu risquer sa vie. J'en ai 7, lui n'en avait qu'une. Va-t'en vite, c'est dangereux! Oh non! J'étais prêt à mourir, mais il a éteint le feu que j'avais accidentellement créé. Résiste un peu, je vais éteindre ce feu! Bouge pas! C'est trop tard pour moi, on ne peut plus me sauver! Ah, mes cheveux! Est-ce que ce serait la fin du merveilleux Catnap? Mais non, ce ne sera pas la fin du Catnap! Ce jour-là, je survivrai grâce à l'ami que j'ai trahi aujourd'hui. Que faire? Être loyal à un psychopathe ou à un ami qui m'a sauvé la vie? Oh, non! 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 Oh, j'aime pas ces pinces-là! Oh, mes yeux! Non, pas mes yeux! Non! 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 Oh. Je suis libre? Oh, mais c'est possible! Qu'est-ce que tu as fait? Si, j'ai été mon livre! Alors, fais-moi le malin, hein! Elle m'a attrapé comme rien et a commencé à me frapper. Je pensais que c'était la fin et je ne pouvais rien faire pour me protéger. Catnap! Tu m'as libéré! Ah, je dois partir! Ah. Maître, pardonnez-moi, je vous en supplie! Oh non, je peux pas le laisser! Mon maître me tabassait, mais je le méritais parce que j'ai sauvé mon ami au lieu de le tuer. C'est trop tard pour moi. Oh, je ne peux pas. Ah, oh. Il m'a trahi, mais je vais le sauver. Allez, Catnap. Bouge pas, je suis là. Alors, c'est toi qui vas périr. Hé hey. Alors, viens par ici, mon ami. Dans sa vie, Dogde m'a encore sauvé, mais ce n'est pas si simple. Oh, ce fou est encore vivant, bon sang. Mais enfin, vous ne vous en tirerez pas comme ça. On ne peut pas fuir, ce taré est encore là. Laisse-moi ici, va-t'en. Oh, quelle belle amitié de Pompidou, j'adore ça. Le maître, vous allez rattraper, il n'y avait pas d'issue. Il ne restait plus qu'à accepter notre destin. Mais Dogde a fait quelque chose d'irréparable. Qu'est-ce qui se passe? Non, je peux pas le croire, mon ami, pourquoi tu as fait ça? Non! On était amis. Dogde était si fort, il était à l'agonie alors que le maître s'amusait avec lui comme avec un jouet. Non, Dogde, pourquoi? Je suis un monstre qui ne mérite pas l'amour! Avec mes dernières forces, j'ai utilisé mon gaz, le seul moyen pour moi de partir d'ici avec mon meilleur ami. C'est fini, je te laisserai plus faire de mal à quelqu'un. Je t'en fous avec toi ici maintenant. Avec toute la force que Dogde m'a laissé, j'ai arraché la tête de la machine et je lui ai fait regarder son corps. Sale taré! Ça fait mal. Mon ami, pitié, pardonne-moi. Ne te sens pas mauvais. Ne regrette rien. J'ai été mettre le corps de mon ami à l'endroit le plus confortable possible. Oh, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Dégage-moi. C'est la fin. Comment ça a pu arriver? Je t'aime. Oh, non, mais qu'il se passe, je t'aime tellement. Oui, moi aussi. Mon amour, non, mais qu'il se passe. Je pouvais pas le serrer dans mes bras car il m'avait abandonné aussi. Et c'est comme ça que mon meilleur ami... Oh mon Dieu, c'est ta faute, Mais je t'ai dit toute la vérité. Tu crois sérieusement que ton histoire va me tourner? Jamais il pourra revenir. Mais merci d'avoir été là dans ces derniers moments. Oh, Catnap, pardon. Il me manque. J'ai enfin obtenu mon trophée de streameuse. J'ai tellement travaillé dur pour l'avoir, je suis si fière. Ok, les gars, je suis de retour. Merci à tout le monde d'être là. Aujourd'hui, on joue à Handcraft. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ma chérie, prêt, viens manger. Ok, maman, j'arrive. Bon, désolé, mes loulous, faut que j'aille manger. Je suis là. Madame, petit cœur, regarde. Oh mon Dieu, mon plat préféré, merci. Maman, j'ai faim. Est-ce que t'as préparé le dîner? Sinon, je vais m'épanouir. Nom d'un ton, ça sent rudement bon. Je suis contente que t'aimes. Du café cuit, tu vas me nourrir aussi. Moi aussi, j'ai faim. Tiens.
Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Bien joué, ma chérie. Je peux pas manger ça. Pourquoi vous faites Allez, il est temps de la leçon de danse. Miaou, miaou, coucou mes chatons. Aujourd'hui, on apprend une nouvelle choré ensemble. Regardez, suivez-moi, je vous aime. Bravo, ma chérie. La caméra t'adore. Danser? J'adore danser. D'abord, on commence par les poings. Oh, catnap. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Même chose que toi, chère sœur. Allez, on se trémousse. La la la. C'est trop drôle. Dégage. Pourquoi t'as fait ça, maman? Essaie même pas de prendre mes abonnés, espèce de petite andouille. C'est bon pour être youtubeur. Mais je voulais juste passer du temps avec vous. Pourquoi vous me traitez comme ça? Bravo, ma chérie, t'es la plus belle. Salut, mes chatons, il est l'heure de la séance photo. Bisous. Ah, t'es vraiment encore plus photogénique que moi, mais regarde, fais comme okay, ça. Ok, je fais comme toi, maman. Maman, j'ai gagné un foire en science. Ma rédaction sur la solitude en famille a marché. Pas maintenant, catnap. Allez, ma chérie, continue à poser, continue. Oh mon dieu, non, la caméra, c'est pas vrai. Oh, je voulais pas faire ça, je suis désolée. Montre-moi ça. Attends, c'est fragile. Donc c'est ça qui te donne de l'importance. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton trophée. Non, mon travail, mes enfants. J'ai un autre travail pour toi, le balai et la paix. Qu'est-ce que je suis censée faire? Allez, nettoie ce désastre. Je crois que t'as enfin trouvé un métier qui te convient. Pardon. Ah ouais, maman? Et tu vois comme je t'ai appris. Oh mon dieu, c'est quoi ça? De la pizza pourrie? Mais c'est quoi ce bazar? Il y a des affaires partout. Ah ouais, j'ai peut-être oublié de faire le ménage. Il faut streamer me prend beaucoup de temps. Nettoyer. Ah, je sais. Catnap, viens là. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai à faire? Nettoie son espace de travail. Quelle odeur! Attendez! C'est un job hyper important, mes streamers veulent voir ma chambre propre. Bonne chance. Moi, je voulais juste passer du temps avec elle. C'est le travail qu'elle devrait faire. J'avais jamais vu son matériel d'aussi près. Je me demande que ça fait d'avoir beaucoup de monde qui te voit. Mais bon, je vais le découvrir. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais construire le village Minecraft de ma sœur. On a réussi les amis, on a réussi en un rien de temps. Non, Catnap, t'es trop bien, on montre comment tu fais la statue parce que t'as vraiment tout la fait. C'est pas possible, il me donne tellement d'argent. J'ai à peine d'ouvrir la chaîne, comment je peux avoir autant d'abonnés? C'est incroyable. T'as fini de ranger ma chambre? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais, maman? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Regarde, ils ont mes followers! Attendez, regardez tous les abonnés et les donations, j'ai eu! Reste à ta place, espèce d'imbécile! Pourquoi? T'es fini! Et pour rappel, personne ne t'aime, ton père t'a abandonné! Maintenant, tu te tais, je peux rien entendre! Bon, arrête! Elles sont toutes les deux folles! Hein? Ça bouge! N'approche pas de moi! Stupide petit frère, mon dieu! Comment je vais m'en sortir maintenant? Oui, non, quoi, Catnap? Ouais, mais non, je ne traite pas si mal que ça! Je pensais que ça irait mieux quand elles auraient vu que j'étais bon au streaming. Je les aime! C'est comme ça qu'on éduque un enfant. Hein, quoi? Libérez Catnap! Libérez Catnap! Des fans de Catnap, c'est pas vrai! Libérez-le! Vous pouvez pas débarquer comme ça devant chez moi! C'est son adresse! On veut le voir, dites-lui de partir! C'est pas votre problème, les filles! Oh, je déteste les fans! Maintenant, dégagez de mon jardin! Les enfants de nos jours, on peut pas les stopper! Hein? On peut. Dévance! Je vais pas prendre! Attendez, où il est? Où est Pilounou? À vous! Oh, me faites pas de mal, j'ai rien fait enfin! Les vigiles est là-bas! C'est quoi ce bazar dehors? Non! N'approchez pas! Éloignez-vous! Regardez comme il est trop saoul! Oh, il est trop mignon! Ouais, Catnap! Vous êtes mes fans? Super! Vous m'aimez vraiment! Super, et c'est moi qui me retrouve à nettoyer ça! Tchou! Oh, j'en reviens pas qu'on soit arrivé à ça! Tiens, ta stupide nourriture! C'est l'heure d'un bon abonné! Abonnez-vous et partagez! Oh, arrête de me torturer, s'il te plaît! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oh, j'en ai marre de tes excuses! Tu foires toujours tout! Et je suis censée croire que tu vas changer! Trouve-toi un travail pour subvenir à nos besoins! Et ne reviens pas tant que c'est pas le cas! Je fais de mon mieux, pourtant! Oh mon dieu! Je suis peut-être allée un peu trop fort! Oh non, mon chéri, reviens! Cap-date, cap-date, t'es où? Oh, c'est trop tard! Oh, papa! Où est-ce qu'il est, papa? Voilà, les bébés, tout va bien, papa, et aller chercher du travail. Zidine de papa, pose-moi, sale maman! On veut être changé et on a faim! Vous avez faim, les bébés? Peut-être que je peux vous donner à manger. Ok, il n'y a plus rien, c'est la cata. Je suis une mère horrible. Écoute, je suis désolée, j'ai pas d'autre choix, il faut que j'en abandonne. Maman t'aimera toujours. Eh, quoi? Maman? Oh, pauvre petite chose, je vais prendre soin de toi. Mon catnap, chérie, comment je vais pouvoir t'oublier? Pardonne-moi.
Je suis une mère affreuse. Où suis-je? Vous êtes qui, vous? Ha ha ha, regardez le nouveau, il est tout sale, il est tout puant, il est tout collant. Te pue, on veut pas toi ici, pars. Je me lève tous les jours, pitié, je veux ma maman. Il est l'heure de ma tasse de café. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici, les enfants? C'est pas nous, c'est le nouveau, il nous a jeté des ballons d'or. Quoi? Mais c'est rien. Tu te crois drôle? Tu vas cleaner tout ça, puis ça. La crotte de chat a des problèmes. Ouais, c'est l'heure de manger. Hé, c'était mon dessert. Vous approchez pas de la nourriture, sale voleur. Catnap, on commence par le dessert. Et ton plat alors? Miss Delight, ils ont pris ma glace. Mange tes légumes de suite. C'est dégueulasse. Chouchou, le petit train arrive. Bienvenue dans l'avion. Les voyageurs. J'aime pas cet endroit. Si seulement maman était là, ce serait tellement mieux. Ne t'inquiète pas, mon catnap, regarde ce que j'ai pour toi. Oh, super! Une voiture rouge, rien que pour moi. Mais est-ce que c'est vrai? Tu mérites pas ça, donne-le-moi. Ne vole pas la voiture de bébé. Stop. Stop. Me la prenez pas, s'il vous plaît. C'est un cadeau du destin. Oh, vous avez cassé ma voiture. Waouh. Non. Hein, rien fait pour toi, personne devrait être celle. Tu veux faire partie de mon secret? Je pensais m'enfuir aujourd'hui. T'en penses quoi? T'es des miens? Ouais, allons-y. Oh, mon catnap, je suis tellement désolée, pardonne-moi, comme tu me manques. Oui. Ha je suis de retour. Ouais. Nous sommes millionnaires. J'ai investi en bourse et ça a marché. Oh, mon chéri. Mais catnap, il est où? J'avais pas le choix, on n'avait plus à manger, j'ai dû l'abandonner. Tu as abandonné mon fils, mais il faut aller le chercher tout de suite. Y'a personne, la voie est libre. Regarde là-bas, y'a une ventilation, faut qu'on passe par là. Fais-moi confiance, on va y arriver. Ah, c'est tranquille. C'est vraiment suspicieux d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Bonjour, ah. Delight, regardez. Chippy, chippy, chop, chop. Chippy, chippy, chop, chop. Ah, c'est marrant. Piggy sur Top Tick. Fais un bisou à ta famille de Attends une seconde. Je sens une présence qui essaie de s'enfuir. Toi. Ah, je suis innocent, je vous le jure. Ne faites pas de mal. Écoute, les vilains enfants, faut les corriger. Tu as fait une grosse bêtise. Tu vas être puni. Filme-moi sur mon miroir. Chippy, chippy. Captain, mon enfant. Il est où? C'est pas bon tout ça. Je suis trop jeune et beau pour c'est mourir. C'est juste une petite punition. Tu vas pas en mourir. Qu'est-ce que je suis censé faire? Allez, allez. Tu vas me rendre mon fils. C'est super dur ce levier. Ma fin est proche, et pourtant j'ai connu mille amours, mille poissons frais. Problème réglé. Catnap, mon chéri. Viens là. Mais laisse-moi, toi. Tu dois repartir avec ta famille. Oui. Oh, merci. Toi, essayer de l'aider. Tu vas voir. Petite mon ami, non. Il va falloir te corriger, ma petite. C'était une blague, madame. Tu vas aller en enfer, fais tes Elle adieux. Va te tuer, je dois faire quelque mais chose. Non, vous faire du mal, laissez-moi. Désolée, maman, mais je dois le sauver. Au revoir, ma belle. Vite, mon enfant. Nous sommes de retour et voici un cadeau pour vous. Bonjour, me faites pas de mal. Ah, t'es l'amour de ma vie, mon petit ange. Comme t'es trop mignon. Regardez-le dormir comme un petit ange. Hé, hey, Dr. Yann, ça t'irait sortir. Embête-toi, mon va-t'en. Et m'ennuie plus. Mais pourquoi? Doc Dayette! C'est un super jouet, papa! Content qu'il te plaise, hein? Ah, il est super, ton papa, il te donne des jouets! Moi, j'aimerais bien aussi avoir un... Casse-toi, sale piaf! Oh non! Je me sens si seul! Tout le monde me rejette! Pourquoi? Pourquoi? La solitude est mon seul ami! Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis grand! Ouais! Bonjour! Ah, c'était pas obligé, ça, le bébé! Ah, c'est pas vrai, insupportable. Ça me rappelle moi quand j'étais petit. Il a faim. Oh oui. Bouge pas, je crois que j'ai une idée. Par ici.
Il faudrait quelques travaux. Non, mais tu crois vraiment que je vais habiter là-bas? Regarde celle-ci, elle est pas mal. Ah oui, elle est bien, mais un million de dollars! J'ai besoin d'un homme qui peut pourvoir à mes dépenses et mes désirs. Pas un pauvre. Oui. Alors là, super drôle. Et tu comptes faire quelque chose, peut-être? Parce que sinon, nous, on va s'en aller. Mais ne t'en va pas, je vais faire quelque chose. Je dois trouver une solution. Et voilà les clés. Oh! Tiens, prends ça! Ah, donne-moi les clés! Ça fera toujours ça d'économiser, voilà! Dors bien! Bon, maintenant j'ai la maison, allons convaincre la famille! On trouvera un papa qui va nous aimer, je te jure! Ton homme est là, voilà, j'ai la maison, regarde, j'ai les clés! Oh, j'y crois pas, tu l'as fait pour nous! Oh, mon chéri! Et voilà la bonne cuisine, comme à l'ancienne! Oh, j'ai faim, ça tombe bien. Tu vas te régaler. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air dégoûtant. Tu crois vraiment que je vais manger ça? Je suis pas un pigeon. Mais tu l'as pas goûté encore. Attention, Kikine. Non, Kikine, ne fais pas ça. Oh, tu vas te blesser, enfin. Mon amour. Je t'aime aussi, mon cœur. Les autres sont heureux. Peut-être que c'est moi qui suis pas normal. Oh non, pas lui! Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, c'est... Non, j'ai rien fait! T'as fait une bêtise, papa! Oh mon dieu! Bébé, on s'en fout vite! Le problème... c'est que j'ai une copie de la clé! Tiens! Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as folé! Non, je voulais pas! Ne touche pas mon homme, espèce d'imbécile! Tu vas voir! Ça, c'est mon bébé. Oh, mais vraiment, ils sont malades. Bravo. Est-ce que ça va? Oui, bon, ça c'est va. Un désastre. Je suis désolée. Mais au moins, on est ensemble et on s'aime. Fini les vacances. C'est au boulot maintenant. Bobby, qu'est-ce que tu fais? Quel cours ennuyeux. Tu dors dans mon cours. Viens ici. Au tableau? Tu crois que t'es intelligente, alors vas-y, résous l'équation. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Utilise ton cerveau d'ours. Et que ça saute, on n'a pas toute la journée. Le temps est compté. Oh, de l'histoire, j'y comprends rien. Oh là 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 là. Petite fille stupide. Oh, je pense que c'est bon. J'espère que c'est bon. Est-ce que c'est bon? Eh bien... Bravo, c'est ça. Je peux pas croire. Je suis la meilleure. Je suis un cerveau. On va le faire. Je vais aller à l'université. Oh, mais qui fait ça? Aïe, mais qui? Oh, aïe, c'est dégoûtant! Bobby, t'as l'air bien comme ça. Ce style ne t'allait pas. Ça sent pas bon, c'est horrible. Pourquoi personne m'aide? Je suis toute seule. Si, si, au moins t'as fait le boulot, moi j'y comprends rien. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je déteste cette terre. Comment la détruire? J'ai une idée, regarde. Rien ne pourrait nous arrêter. C'est impossible que 5 plus 5 fasse 8. Tu sais même pas ce qui va t'arriver. J'ai fait. Ça va être drôle, surtout avec la suite spéciale du cochon. Merci. Tu vois, apprendre c'est super drôle. Pas plus drôle que ça, ça va être une surprise. Bobby, où sont tes devoirs? Il me les faut maintenant. Oui, mademoiselle, voici le mien, il est dans mon sac. Oh, mais c'est dégoûtant. Bobby. Pardon, Miss. Tu te moques de moi? Oh, je jure que je vais te punir jusqu'à ta mort. Tu es stupide. Moi aussi? Je peux pas le croire. Ok, bande d'idiots, ça suffit la rigolade. Maintenant, vous allez m'écouter. L'exercice du jour, vous allez mixer des potions. Le rouge et le jaune pour donner du orange. C'est facile. Avec ce qui du petit chimiste, je vais avoir 10. Oh, un filtre d'amour. Ah, je suis un génie. Moi aussi. Oh non, c'est la cata, j'ai plus de potion rouge. Mince, comment je vais faire l'exercice? Miss Delight va me punir. Oh, je sais. Je vais prendre de la peinture rouge et ça va faire le taf. Eh, super. Oh mon dieu! Grâce du porn, espèce d'idiote! Oh non, même avec un exercice simple, vous me fichez toute l'école en l'air! C'est quoi ce délire? Fuyez de la classe, vite! Mes amis!
pouvait pas aller pire. Hé, Pégase, c'est toi. Tu es revenu. Tu peux me remercier, toi, si grosse. Vite, Bobby, enfuis-toi. Non, j'en ai marre de tout ça, je serai brave. Non, tu vas mourir, c'est dangereux. Enfuis-toi, je t'en supplie. Je suis intelligente et je vais les sauver. Catnap, Dante, je vous sortirai d'ici. Oh les gars, vous êtes en vie. J'ai besoin d'aide pour sauver Piggy et Hoppy. Ne me laisse pas tomber, je promets que je serai un bon ami. Ne promets rien, je n'y arrive pas, je ne peux pas tenir. Ne me laisse pas mourir. Nous allons mourir tous les deux et en train de te rêver, vivant. Non. Accrochez-vous, je vous ai. Allez. Ça, c'est du travail d'équipe. Ah oui. Pas le temps de plaisanter. Un, deux, ça fait mal. Merci, Bobby. Merci. Les gars, on fera les remerciements plus tard. Faut y aller maintenant. Allez, on dégage, on dégage. C'est pas mal, mademoiselle. Attention aux doigts, les amis. Crafty, est-ce que ça va? Oh non. Bobby, mais dépêche-toi enfin. Oh non, courons, Crafty, sinon on va mourir. Oh non. Non, Bobby. C'était mon élève favorite. On est désolé, Bobby, Crafty. Ce méchant avec eux. Quoi, j'y crois pas, il est là. Ne pleurez pas, vous avez été morts. Ouais, vous êtes trop fort, tes filles. Merci, j'étais si inquiète. Tiens, je te dois ça. Le trophée de la meilleure élève. Merci, mademoiselle. C'est qui, je dis? Trop énergique. C'est Bobby.